Salut, vendredi matin, je me trompe pas, j'ai rendez-vous ce matin au coiffeur, je vais refaire mes racines. Est-ce que je les coupe? Ça, je sais pas, ça se décide en général en fonction de l'état de mes cheveux, elle me dit si oui ou non. Et ce matin, j'en ai profité pour bien m'avancer un peu comme d'hab. Ben, sur les vidéos, vous connaissez, vous commencez à connaître. Et au retour du coiffeur, je vous montrerai aussi, j'ai reçu un petit paquet, un beau paquet. Et ce matin, j'ai mis le rouge à lèvres, vous savez? J'ai eu dans la Birchbox le format échantillon, il est franchement pas mal, hein. Il a vraiment cet effet laqué, brillant. Même si à la base ce sont pas mes couleurs, ça passe, je trouve. Je vais voir comment il va évoluer. C'est intéressant dans le temps, dans la journée en tout cas. Je vous montre très rapidement ce que ça donne quand même de plein pied. Je la mets pas souvent, cette petite veste, je l'aime beaucoup parce que bah, avec cette ceinture, ça permet de pas mal cintrer. Alors ça, je l'équipe plus parce que je suis trop bien dedans. Par contre, ça va pas du tout. C'est mon seul, je vous jure. Je n'en ai plus, ils sont tous abîmés. Faut que je me rachète des pantalons, absolument. Et le t-shirt, je l'aime tellement celui-là. Je trouve qu'il s'associe avec plein de pièces facilement et il a un petit effet cool. Regardez, c'est celui-là. Si vous me suivez sur Insta, le bâtiment que j'ai pris en photo, enfin on me voit. Et je disais, ah, j'aurais voulu escalader et tout pour faire une jolie photo. C'est trop beau, c'est un ancien pensionnat. Je crois que c'est un ancien pensionnat de jeunes filles même. Moi, je me voyais déjà en haut, au niveau du balcon. Voilà ce que ça donne. Il est beau, hein? Je me voyais bien là, moi. Je vais arriver, je vais encore réussir à être en retard, même si je suis. Même là, regardez. Faudrait que je me renseigne quand même. Faudrait que je demande. Même en étant là ou là, enfin. Il y a des endroits assez intéressants à shooter. Les petits oiseaux. Par contre, quand je vais chez le coiffeur, en général, mes cheveux sont un peu gras, c'est fait exprès. Faut pas que les cheveux soient propres quand on va faire des mèches, enfin des couleurs, mais moi je fais pas de couleurs. Sinon, ça peut être un peu irritant pour le cuir chevelu. Le retour de la perche pétée en deux, je suis dégoûtée. Mais non, j'en ai une autre de dépanne. Ah, oh, ça faisait longtemps, ça faisait super longtemps. Je l'aimais bien celle-là, je l'avais eu à Amazon pour pas cher. Bon, bah, je sais ce qu'il me reste à faire en rentrant. Les minous, minous. Ben oui, mais j'ai pas le temps, mon petit. J'ai pas le temps, moi. Parce que là, genre, tu t'avais prévu de vlogger avec ça. Pendant un moment, tu rentrais pas chez toi, c'était un petit peu la loose. Mais là, c'est pas grave. Qu'est-ce que c'est, ce gros chien, là? Ben oui. Regardez, il y en a un là, il y en a partout. Puis là, ça se régale, il fait beau. Il y en a un là aussi. Je suis sortie, alors je vlog à la main si ça bouge, vu que ma perche est pétée. On espère que je retrouve l'autre. Et ouais, ils sont un peu gonflés là, donc je vous montrerai tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est? Que va-t-il? Je suis rentrée, ça fait bien une demi-heure. Donc voilà, hein, le résultat, il est très joli. C'est très très joli, vraiment. En plus, je fais une petite patine pour déjaunir. Le truc, c'est que je ne trouve pas ma perche. Ma perche qui est pas cassée. Et voilà, donc vloguer comme je fais à bout de bras, c'est vraiment de la dépanne, sinon je vais pas pouvoir faire ça trop longtemps. Bon, c'est pas grave, je vais bien la trouver. Je vais me faire le reste de soupe, ça avec crouton. Je vais peut-être enlever mon manteau quand même, ce serait bien. Et concernant mon boulot, c'est bien, j'étais bien avancée, donc mon vlog, il est quasiment terminé. Ça, c'est cool. Je l'ai retrouvé, je l'avais posé hier, ben oui, je l'ai utilisé pour faire les close-up de la Birchbox. J'essaie de pas la péter. Ah, c'est cool. Bon, bah voilà, vous allez mieux voir. J'avoue que là, j'aime beaucoup. D'habitude, c'est soit trop gonflé, soit trop plat. Là, c'est plutôt pas mal. La couleur est belle. Même Eric m'a dit, non, non, c'est très joli. Et ouais, on parlait, elle me disait que c'est vrai qu'ils ont poussé et ils sont quand même beaucoup plus beaux, hein, qu'à l'époque où je mettais des extensions, même si parfois ça avait des avantages. Parce que moi, le but, c'est que je puisse refaire ma petite natte. Donc, au moins ça va nous faire du combien. Quoique mes cheveux, ils poussent 1,5 cm par mois. Sauf s'ils se cassent un peu, mais voilà, le rendu est plutôt joli. Retour à mon logiciel de montage. 13h35, je suis mais largement dans les temps. Ça, c'est cool. Je suis sur ma miniature, écoutez. Parce qu'il est tout seul en bas. Jackie? Tu
Tu joues, tu t'amuses? Vous le voyez? Ben oui, elle est où ta balle, mon fils? Viens! Ah oui! Ah, il y a du soleil! Tu vas pouvoir rester! T'es gentil! Quel amour, ce garçon! Dis donc, dis donc, dis donc, j'allais oublier! Regardez le colis dont je vous parlais ce matin! J'ai reçu une gamme, je suis trop contente! L'Occitane en Provence! Regardez ce qu'ils m'ont offert! C'est bien emballé! Le sérum de nuit, effet peau neuve, ridule lissée, éclat. Et le sérum pour les yeux. Je viens de les sortir de leur emballage. Regardez. Regardez ces petites merveilles. En fait, c'est la gamme nuit. Je n'avais pas vu. Le sérum pour les yeux, c'est également pour la nuit. Vous avez vu la beauté des flacons. Dès ce soir, j'essaie tout ça. Je viens de lire un petit peu ce qu'ils mettaient. Ils mettent en 28 nuits. On a visiblement notre peau qui est transformée. La peau est comme neuve. Et bien écoutez, voilà de plus près à quoi ça ressemble. C'est magnifique. Vraiment très très chouette. Et le petit pour les yeux. C'est vraiment une très très belle gamme. Donc évidemment, j'utilise ça pendant cette cure de 28 jours. Et je vous en reparle. Également, si vous me suivez sur Insta, voici les trois lots des gagnants qui ont commenté. Vous savez qu'on trouvait un titre pour ma photo Insta, donc je vous invite à me suivre, je fais souvent des concours. J'ai envoyé ça, je pense que je vais aller à la poste, ça sera fait aujourd'hui. Il est où Jackie? Bon allez, je file à la poste, tout est là. Je vous montre pas parce que j'aimerais quand même que ce soit eux qui aient la surprise en premier, vous comprenez. Donc il y a quand même une petite pochette pour chacun, des petits produits, il y a un peu de tout. Voilà. Vous commencez à me connaître, j'aime bien faire. J'ai pas pu m'empêcher de mettre la petite barrette. Et regardez-moi cette souplesse, ce volume. J'avoue que c'est joli. Hein. Voilà, par contre, c'est le bazar là à droite. Non, faut que je rattache ça. Je suis pas du tout. J'ai pas été maligne sur ce coup-là. Désolée. J'aurais dû prendre un sac quand même. Bon, ça va. Suite à un dégât des eaux, votre bureau de poste est fermé jusqu'à nouvel ordre. Je vous avais pas repris depuis ma sortie. Magistrale à la poste. J'en ai profité, je suis rentrée, je suis montée, j'ai monté mon vlog parce que demain, on part demain matin avec Eric, expédition, il y a son frère qui vient. Un truc de mec, je vais aller avec eux. Parce que il y a des trucs qui peuvent être sympas quand même. En fait, je vais à Vendôme. Vendôme, c'est une petite ville, je vous ai déjà montré, très mignonne, il y a des choses, notamment du shopping très sympa, mais eux, ils y vont pour voir apparemment. Apparemment, je vais avec eux, la dernière voiture, la Puma. Une Puma, voilà. Donc, ils veulent essayer la Puma. Je ne sais pas si je vais aller l'essayer avec eux ou s'ils vont me laisser à Maison du Monde ou un truc comme ça. Et on va manger au resto. Donc, ça, c'est cool. Ça me plaît bien. Et là, je vais goûter. Je suis en train de me faire des tartines grillées, beurre, confiture. Je fais le remake du matin et ça va aller très bien. Donc ce vlog, il va pas être long. Je vais le clôturer suffisamment tôt de façon à ce que j'ai le temps de le monter, de l'uploader. Parce que demain, je ne sais pas si on rentrera avant 18h et que je mette en ligne. Voilà, en gros, vous avez compris. Donc je déjeune et après, je pense que je vais clore assez rapidement. Je viens de me rendre compte du lapsus. J'ai dit je déjeune. Je goûte. Confiture. Bah ouais, bah ça c'est revenu. Hein. Donc jusqu'à nouvelle heure, je vais essayer de me trouver une autre poste hein, parce que ça se trouve, ça peut durer une semaine. Voilà. C'est le moment où on va se séparer. J'ai pas fait le petit point rouge à lèvres, savoir comment il tenait. J'en ai pas rajouté. Bon, il a pas tenu. Il a tenu comme un rouge à lèvres. D'autant plus que bah, j'ai un petit peu mangé. J'ai remis du baume, ça c'est sûr. Ce qui donne d'ailleurs l'effet brillant. Mais ouais, c'est pas la tenue du siècle non plus. Par contre, ça. Celui-ci que j'ai eu, je l'ai eu, Fox Evidence, il est canon, en plus il est clean, je l'aime beaucoup, il est à base de miel, il sent bon le miel, Crazy, Rumors, Honeycombe, il est excellent, vraiment vraiment très très bon produit, c'est rare qu'un baume à lèvres reste aussi longtemps sur les lèvres, vraiment je crois que j'ai trouvé The Pépite. Voilà, voilà, je vais vous faire un énorme bisou. Moi, je vais continuer à faire ce que je suis en train de faire. Et puis, on se dit à demain. Du coup, je vais vous filmer la petite verrée à Vendôme. Je vous embrasse. Encore merci. Merci de me suivre de façon aussi fidèle et d'être de plus en plus nombreux. Je vous dis à demain. Allez, salut.